nouveau mes petits cimériens puissants et mes petites aquiloniennes danseuses du ventre. D'ailleurs, ce sont des stygiennes, non pas aquiloniennes. Mais bon, quoi qu'il en soit, nous voici de retour sur Age of Conan avec Erika. Donc j'ai fait la création du personnage et l'arrivée sur Tortage dans la précédente vidéo, un précédent épisode. Donc là, on va se concentrer sur l'histoire qui commence ici. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de musique du jeu, mais il y aura une musique autre que celle du jeu, donc qui couvrira ma présence sur cette île, parce que le compositeur a mis les droits d'auteur sur la musique, donc impossible de télécharger, enfin d'uploader des vidéos sans se faire flaguer par YouTube. Donc voilà, donc on va commencer par déjà, alors je rappelle que mon personnage était une esclave à bord d'un navire commandé par un Turanien, si je me souviens bien, qui s'appelle Sadur. Drôle de nom, mais bon, ça dure, comme vous voulez. Alors, je comprends pas parce que les Turan, normalement, c'est du côté de la mer de Vilayet intérieure, sur Iboria. Et là, on est au large des côtes de l'ouest. Parce qu'il y a des Pictes, apparemment. Après ce que disait. Comment il s'appelle déjà le monsieur qui est là Le monsieur qui est là, Calantès, disait qu'il y avait des Pictes aussi à l'intérieur, donc bon, de l'île. Donc, je connais pas bien l'île de Tortage. Je pense qu'elle a été développée par Sprague de Caen et par Lynn Carter, mais pas par. Enfin, je me souviens pas qu'elle a été développée, en tout cas par Howard. Peut-être au niveau du passage de Conan chez la capitaine pirate Belit, mais bon, je ne sais plus. Peut-être que les spécialistes pourront le mettre en commentaire. Mais pour l'instant, on va commencer à découvrir cette île. Alors, déjà, Erika est encore traumatisée par le naufrage et surtout par l'expérience qu'elle a vécue à bord du navire. Et un peu méfiante par tout ce qui se passe autour. Elle a ramassé une rame qu'elle utilise comme arme, vous avez vu. Regardez, hop. Oui, comment... Ah oui, c'est là, voilà, pof. Oh ouais, oh oui. Oh, donner des grands coups de rame comme ça sur les têtes des gens, c'est, oh, ça doit être bon, ça. Chrome. Alors, j'appelle qu'elle est cimérienne, donc elle prie Chrome. Et qu'elle est chamane de l'ours. Donc, chamane de l'ours veut dire, je ne sais pas pour l'instant, on va bien voir. Hein. Premier niveau, donc, voilà. On va parler à cette dame. Demoiselle qui est, malheureusement... emprisonné par des chaînes en plus. Ouh, c'est cruel ça. Je pense pas que je pourrais la libérer à part avec une clé. Hein. Bon allez, on y va. Hello, qui êtes-vous madame? Que faites-vous donc accroché à ces chaînes? Avez-vous mal au poignet? Allez, hop là. Hé hey. Oh. Enfin un visage amical dans toute cette laideur. Par les dieux, mais que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous ainsi attachée, mademoiselle? Délivre-moi, je t'en supplie. Ces sales brutes m'ont pris en chasse il y a moins d'une heure et capturé alors que je tentais de fuir. Ne crains rien, je vais te délivrer. Et nous leur assènerons une leçon qu'ils n'oublieront pas de sitôt, quand ils seront en enfer. Tu vas briser mes chaînes? Et avec quoi? Il te faut une clé. Ouais, je m'en doutais, mais qui a cette clé? Le charognard, le chef d'un petit groupe de brigands de Tortage. Lui et ses hommes ne sont pas loin. Tranche-lui la gorge et fouille-le. Mais ne me laisse pas ici, je t'en supplie. Peut-être que je pourrais chercher, enfin, avoir un accord avec toi, peut-être. Je cherche la ville, tu en connais le chemin? Suis le chemin sinueux en direction de l'est. Je te guiderai si tu me prends avec toi. Mais attention, toute la journée j'y ai entendu des voix, des chants de soudards ravinés, mais aussi des hurlements sauvages. Sans doute des Pictes qui chassent. Ouais, des Pictes ici? Je croyais qu'ils étaient sur la côte ouest de l'Aquilonia, enfin... En tout cas, à l'ouest de l'Aquilonia, apparemment, ce n'est pas le cas. Bon, ben, moi, j'ai bien envie de m'occuper de ce charognard. Je n'aime pas les hommes qui profitent des femmes ainsi. Fais vite! Il est sur la plage, à fouiller l'épave du bateau. Allez, à tout de suite. Je reviens. Que les dieux t'accompagnent. Merci. Mais pas besoin de dieux, beaucoup de dieux, Chrome suffira. Et en général, Chrome n'écoute pas ta prière, donc... Du moment que tu te contentes d'écraser tes ennemis, c'est parfait. Oh, c'est lui, regardez. C'est le monsieur qui a la clé. Hé, toi, charognard, viens par ici, que je t'éclate le crâne avec ma rame. Enfin, si je peux. Alors, je rappelle qu'il faut frapper là où il n'y a pas de protection, ou le moins de protection possible, en fait. Voilà. Donc là, je frappe par le haut, là, par la gauche, et par la droite. Bon, bah, je crois que le charognard est mort. J'ai rien fait, c'est mon personnage qui a frappé tout seul. Ça fait du bien, hein. Ouais, que les démons t'emportent. Pauvre fou. Voilà, s'attaquer à une cimérienne armée. D'une rame.
Tiens, on dirait qu'il y a d'autres personnes là-bas. Oh, d'autres charognards, sans doute. Ça ressemble à ceux de son clan. Bon, mais moi j'ai envie de me couvrir le corps d'autre chose qu'une... que ce que j'ai en ce moment, donc boum. Allez. Oh, une femme, tant mieux. Je vais pouvoir lui prendre pas mal de choses. Voilà. Allez. C'est bien. Oh, c'est dommage. J'étais un peu éclaté le crâne, malheureusement. Oh, il y a du monde qui vient. Bonjour. Allez. On va faire le balayage que je viens de gagner pour voir. Voilà. Oh. Vous savez que c'est très dangereux d'attaquer une chamane cimérienne. Parce que l'autre me protège. C'est que c'est violence assurée. Et oui, là c'est la violence surtout. Vous avez rien sur vous? Même pas une petite pièce? C'est dégoûtant. Bon. Allons voir un peu plus loin, voir s'il y a du monde. Je dirais pas. Ah, le bateau, j'avais déjà exploré sous la mer. Voir s'il n'y a pas une caisse qui traînait avec des choses à l'intérieur. Franchement, là, je suis vraiment à poil, quoi. Faut bien le dire. Hein. J'avais vu qu'il y avait une caisse, mais elle a disparu, je pense, à mon avis. Peut-être qu'elle est revenue au bout d'un moment. J'adore nager sous l'eau. C'est vraiment bien foutu, hein, ici. Hein. Surtout quand elle fait la brasse couler, c'est épatant. Bon. Allez, Erika. On a trouvé une caisse par ici. Alors, j'avais exploré le côté est de l'île. Enfin, la plage du côté est. Et là, du côté ouest, j'ai pas exploré encore. Les crocodiles, bon, d'accord. Donc, alors, j'ai gagné un pouvoir. C'est balayage. Ça permet de frapper plusieurs personnes à la fois, si je vois bien. L'attaque décime les ennemis, infligeant des dégâts à des cibles multiples. Bah alors. Mais eux. Ça va pas, non? T'as pas entendu dire que tes congénères, je les ai génocidés de l'autre côté, là-bas? Ah. Tu ressembles beaucoup à Chrome, je trouve. Une grande bouche, mais pas grand chose là-dedans. Petit croc déchiqueté, petit croc déchiqueté. Oh, ça va faire de... de pouvoir faire un peu d'argent avec ça. Bon, des crocodiles, c'est bien gentil tout ça, mais... moi, j'ai du matériel. Il semblerait que je vais... je doive délivrer... Ah, il y a un tonneau, là. Alors que je délivre Cassilda, malheureusement, sans rien en retour. Oh, bonjour, crocodile. Allez. J'ai à peine mal, je sens à peine la douleur. Des crocs rebondissent sur ma peau d'acier de cimérienne. Non, mais oh. Et ici, est-ce qu'il y a de quoi? Hein, c'est un autre... un autre endroit, on dirait. Ah, le bateau est là-bas. Quelque chose là-bas ici? Non, rien. Le crocodile, on va pas le déranger. Je peux aller par là. Je pense pas qu'il y a grand chose ici, à mon avis. Non. Bon, bah, retourne sur la plage. Allez. Là. Allons respirer un coup. Une bouteille de rhum, peut-être. Non, malheureusement. Allez, un dernier crocodile, et après, on y va. Coucou. Allez. Oh, bah oui. Tu ne peux pas esquiver mes coups. Vos reptiliens. Il me ressemble beaucoup à des stygiens aussi. C'est comme ça que je m'imagine que les stygiens se comportent. En gros crocodile affamé. Crocodile. Bon, et ben c'est bon. Il y a un cadavre là-bas. Il n'y a rien sur lui, je pense. Un cadavre, un squelette. Bon, allez, retournons de l'autre côté. Et allons sauver Cassilda. Par contre, je ne sais pas si le... non. Non, il n'y a rien dans le tonneau, je pense. Et là-bas, c'est quoi? Ouh, c'est un très gros crocodile, là-bas. Oh, un vrai crocodile ancestral. Miam. Oui. Mais non. Ça ne sert absolument à rien d'attaquer. Tu fais des idées, mon ami crocodile. Voyons, on peut voir s'il n'y a pas de matériel par là-bas. Alors, j'aime bien explorer, hein, donc... et en plus, Erika, c'est quelqu'un de très curieux. Découvre le monde extérieur à la Cimérie. Bonjour, toi.
Bon bah, tu veux pas venir mon ami? Qui n'est pas mon ami meurt. Faire beaucoup de morts. Et voilà. Chrome me donne la puissance. Ouvrir le sac. Lâché par le charognard et prenez la clé des chaînes de Cassilda, ça c'est fait. Quête, ouais, j'ai la clé. Source. Voilà. Un charognard proche, c'est fait aussi. Bon bah voilà, on peut fermer. Il y a une caisse mais il n'y a rien dedans, à mon avis. Bon, alors, niveau 3 c'est bien. Mais est-ce que je pourrais me faire le crocodile ancestral? Voilà, c'est un défi que Chrome m'envoie, ça j'en suis sûr et certain. Alors vais-je mourir? On va voir. Allez, viens là, toi. Ah, mais il y a un coffre à côté. Se défend, hein, ce petit salopio. J'ai bien fait, il y a un coffre à côté, j'ai pas vu. Il était caché par le crocodile. Allez, meurs, charogne. Et en plus, il me laisse quelque chose, c'est bien. Oula, pied à moitié digéré. Ah, le pauvre, il a vomi pendant quand je l'ai tué. Bon, allez, ouvrons ce coffre. Oh, dis donc. Une bière panse de sang fraîche et une perle bleue. Enfin, deux perles bleues même. Voilà. C'est tout. Même pas une arme, une armure, rien quoi. Pff, bon bah. Bah, ils sont contentés alors. Hein. Allez, on va courir. Ça sert à rien de détruire les mignons, les laquais de ce crocodile géant. Voilà. Allez. Allez, on va faire un petit exercice là, ça fait du bien. Bon, un peu moins peut-être. Ouh, tout essoufflé je suis. Bon, Cassilda est où? Elle est par là, voilà. Bah non. En fait, un peu plus loin, voilà, par ici. Chrome m'a donné la victoire, même si je lui ai rien demandé. Cassilda, j'ai une bonne nouvelle. Le charognard est mort. On a abusé de toi, Cassilda, mais maintenant tu es sous ma protection. Je remercie les dieux de t'avoir fait venir jusqu'à moi. Allons jusqu'à la ville. Quand nous serons en sécurité, je te récompenserai de tes efforts. Avec des espèces sonnantes et trébuchantes, j'espère. Car j'ai envie de partir de cette île et je pense que ça va te demander de l'argent. Que les dieux t'accompagnent. Ouais, allez, viens. Comme tu dis, ouais! D'ailleurs, attendez une seconde. Est-ce que je vais essayer de faire un point? Est-ce que ça marche? Aucune instruction, discussion ou script intitulé danse disponible. Ah, peut-être que c'est danse avec un S. Non, bon. Il a l'air assez riche ce jeu en fait, hein, quand même. Allez, viens, Cassilda. Oh, regarde. Quelqu'un qui va nous renseigner. Bonjour. Ah, bah non, il ne renseigne pas. Il veut pas. Il veut pas nous renseigner. Hein. Quel méchant bonhomme. Allez, un petit balayage pour les deux là. Pour les trois. Ouais. Ouais, mais là non, hein. Je suis pas d'accord. Il y a plusieurs contre une faible femme. Ouais, bon. C'est pas très prudent, mon ami. Attaquer à une cimérienne armée d'une rame, là, c'est l'erreur ultime. Bon, j'espère qu'il y a des choses à mettre. Une dent en or. Ça force d'appuyer avec la rame, ça la fait sauter la dent en fait. Une autre dent en or. Eh ben, dites donc, les enfants, vous êtes plutôt riches par ici. Allons voir par là, peut-être qu'il y a quelque chose à piller là. Oh, bonjour. Non, pas bonjour alors. Bon, ok, bon bah. Ils aiment pas les femmes par ici, hein. Voilà. Merci, Cassilda. J'aime mon courage derrière. T'es gentille. Tu pourrais au moins faire un effort. Oh oh, je crois que là. Ouya, c'est quoi ça? Oh là là, un félin. Bon, allez, les deux en même temps, voilà. Balayage, allez. Dis donc. Dommage, j'aimais bien les félins, moi. C'est pas vraiment un félin, on dirait une espèce de chien. Ouais, c'est un chien en fait. C'est un chien de guerre, ce genre de choses. Allez, pillon. Une dent. Elle avait une dent en or aussi, elle. Pété de rire. T'es toute seule là? Est-ce qu'il y a des choses à piller? Ouais, il y a des choses à piller ici. Kerd aide. Bonjour. Il a l'air sympa. Il va mourir, mais bon. Dommage, il avait l'air sympa pourtant. Il a une visée de capuche. Ah ouais, fallait pas être là tout seul comme un grand. Ouais, bah dommage. Hein.
t'apprendra à vivre. Mais pourquoi vous parlez pas? Incroyable ça. Les bandes de Soudar. C'est quoi ça? Oh, une masse lourde de la jungle. Je pense que je vais prendre ça. Et que je vais l'équiper. Au lieu de la rame. Ah ouais, ah, ça a plus de gueule quand même. Hein. Bon, allez, dans votre coffre, j'espère qu'il y a des choses intéressantes. Oh, un gros gorille là. Oh, une bière encore. Et donc ça à foutre, hein. Pas possible ça. Tout prendre, allez hop. Les perles en tout cas, ça permettra de payer des choses, c'est bien. Quoi d'autre? Rien? Vous avez rien ici? Même pas d'armes vraiment intéressantes à part la massue. Bon, je vais prendre un grand plaisir à fracasser des crânes avec cette massue, mais quand même. Eh bien, Cassilda. Oh putain. Heureusement que je suis cimérienne et que ma peau est comme de l'acier. Je sens même pas les déchirures des ronces. Bon, ça pue ici, c'est la végétation pourrissante, c'est horrible. Au moins dans le Grand Nord avec la neige, on ne sent rien. À part la sève des forêts. Enfin bon, la fève des arbres. Venez par ici, vous. Venez. Allez, venez. Voilà. Voilà, ah bah oui, mais bon, pas tout en même temps quand même. Hein, si? Bon, d'accord. Allez, on va voir si je peux les tuer tous. Ça m'étonnerait, mais bon, on va bien voir. Allez. Ça fait mal, hein. Je vous le dis tout de suite, ça fait très mal. Alors lui, voilà. Je crois que c'est lui qui est le plus dangereux, à mon avis. C'est lui qui faut se débarrasser en premier. Voilà. Allez, Cassilda, tu pourrais m'aider? Frappe pas par derrière, je sais pas, fais quelque chose. Non, tu regardes simplement en spectatrice. Ça t'amuse, hein. Ah, ça t'amuse. Ah bon, t'as raison. Ah bah quand même. Ah oui, mais bon. Bah. Allez, tout prendre. Il faudrait un bon marteau de guerre, là. Non, il n'y en a pas ici. Y'a personne d'autre? À tuer? Non, ça va. Et là? Y'a des singes à libérer, peut-être? Je supporte pas les animaux en cage. Et là, non, y a rien. Qu'est-ce qu'ils font fait avec le singe? Ils l'ont dépecé ou quoi? Ils sont entraînés avec? Bande de chiens putrides. Bon bah, on va continuer. Hop là. Alors, carte d'ensemble notion. Les quêtes aériennes montrent l'endroit où vous vous trouvez au-dessus. Ouais, c'est ça en fait. Non? C'est ça. Ah, c'est ça, voilà. Bon. On va continuer dans la jungle. C'est parti. Cassilda, allez, viens. Ouais, entrer dans la jungle. Il y a un pilleur là. Ah, une pilleur. Ah, oh, hé hey. Bonjour, l'embuscade. Hein. Pas gentil ça, mais j'essaie de parler moi. Au lieu de vous tuer, j'essaie de parler, c'est tout. Oh. Vous êtes tous méchants. Quelle joie de te voir. Oui, ah, j'ai dû cliquer sur elle pour parler. Je cherche un marchand d'esclaves nommé Sadour. Encore un marchand d'esclaves? Leur présence à Tortage est une véritable calamité, comme si cette ville n'avait pas déjà son lot de problèmes. Il ressemble à quoi? Bah comme tous les marchands d'esclaves, il est gros et laid. Je n'ai croisé que peu d'hommes en dehors des murs de la ville. L'un d'eux ressemblait à ce que tu dis. Il était arrivé par la plage et traversait la jungle en direction de la ville. Il n'avait pas l'air très pressé. Tu peux sans doute le rattraper en te dépêchant. D'ailleurs, excuse-moi, mais là on a attaqué. Hein. Et il m'attaque avec une énorme... J'aurais bien utilisé une énorme... Albarde comme ça, c'est une albarde, une bouge, c'est une bouge, je pense. Voilà. Ouais. N'importe quoi. Et si là tu pourrais me prévenir quand on m'attaque, hein. Bon, allez. Pourquoi c'est ouvert ici? Pourquoi c'est ouvert ici, comme ça? Je vois pas pourquoi c'est ouvert ici. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, enfin bon, allez, je vais le mettre en bas. Je pense que je peux... Oh là! Je suis entré dans la jungle. Vous là? J'aimerais bien vous parler... Oh, mais c'est pas possible! Oh. Quelle bande de va-nu-pieds quand même, hein! Vous êtes pathétique, hein! Vous m'attaquez et vous mourrez. Vous le savez que vous allez mourir en plus. En plus, je vous prends vos dents en or. Je crois qu'on va m'appeler la dentiste cimérienne. Chirurgienne dentiste avec rame et massue. La massue pour vous rendre inconscient et la rame, les pointes de la rame cassées, brisées, je les mets dans la bouche et j'arrache les dents.
Voyons, il y a un espèce de croisement ici. Bonjour. Au revoir. Bah, écoutez, au revoir. Hein. Attaque par-dessus parce qu'apparemment, avec la massue, c'est quand même mieux. Oui, tu fais ce que tu veux, mais moi, non. Ah bah voilà, un bandana. Super. Un bandana. Donc ouais, j'ai l'air avec un bandana, c'est nul. Pfiouh. Et bon, ça me protégeait un peu la tête. On va croire ça, oui. Ok. Par ici, qu'est-ce qu'il y a? On dirait une espèce de... Oula, il y a du sang partout. Tout cela n'augure rien de bon, je te le dis, Cassilda. Ouais. Quelqu'un a sacrifié des gens à cette... à ce dieu là. Chrome ne demande jamais de sacrifice. Il ne répond jamais à tes prières non plus d'ailleurs. Au moins. Ouais. Bon bah par contre c'est ce chemin là qu'il faut suivre. Donc on va le suivre. Bonjour messieurs. Je vous balaye. Ah, j'espère. Voilà. Un petit balayage encore. Et hop là. Arrêtez de crier et parlez un peu, je sais pas, faites dis quelque chose. Par les entrailles de Chrome. Je vous étripe, non? Eh, hey, il arrêtait pas de me taper alors quand même qu'il avait fini qu'il était mort. Ah, de l'argent, enfin, de la vraie argent, de la monnaie sonnante et trébuchante. Tu as vu Cassilda? C'est la monnaie des temps. Bon allez, hop, continuons. Bonjour toi. Eh hey, mais il tire des flèches. Je déteste qu'on tire des flèches. C'est une arme de... Une arme de coire, de lâche, de pleutre, de foie jaune. Wouh! Chrome m'aime bien apparemment. Une dent en or. Mais ils ont tous des dents en or, c'est incroyable. Alors, HRP, j'ai trouvé un pouvoir, enfin j'ai gagné un pouvoir qui s'appelle choc violent. Cette puissante attaque inflige des dégâts augmentés et repousse la cible. Ah oui, donc ça renverse en fait. C'est renversant avec ma... Oh là, ils sont beaucoup là. Il y a un archer et deux hommes. Je sais pas si tu vas réussir à les... Allez, on y va, c'est parti. Pan. Voilà, il est à terre. Ah bah les hommes ne réagissent pas, bah... Ah oui, bah oui, bah je détruis votre copain, n'inquiétez pas. Vous dérange pas, hein. D'ailleurs aussi, je vous ai trippé, vous. Hop là. Oh mais il est géant, lui. C'est quoi ce bruit bizarre? Allez, à terre, mon ami. Il ne faut jamais mettre en colère une cimérienne. Qu'est-ce qu'il a sur celui là? Il lance des éclairs ou quoi? Allez, pan. Deux haies? T'as dit deux haies en mourant? Une dent en or pour le monsieur et l'autre. Une dent en or et une gaffe de braconnier. Moi je veux un marteau de guerre, moi. En vrai, un pur à tatouer. Béni par Chrome. Oh! Ah, on dirait que... Bah oui, on dirait. Regardons-les s'entretuer, ça fait du bien. Ah, c'est un Picte. Oh, j'adore les Pictes. Ce sont des grands guerriers. Et j'espère bien les vaincre au combat singulier, ou au combat tout court d'ailleurs. Je vous dérange pas, ça va? Non? Bon bah... Je vais juste venir là, voilà. Je vais regarder. Bon, apparemment... Allez, on va balayer tout le monde. Ça commence à suffire ce combat. C'est vraiment des chochottes, hein. Des chochottes, oui. Oui, des chochottes. Tiens, voilà. Non, mais oh. Bon. Ah, pff. Une dent en or encore. Eh oui. Traitement parodontal par cette chère cimérienne, Erika. Les pics aussi, vous êtes bon pour, non? Vous voulez? Et il a un arc, hein. Je sais pas que les pics avec des arcs, je crois qu'ils avaient des fronts, ce genre de choses. Ou des haches lancées. Voilà, allez viens le pic, viens, allez viens. Ah les pics et les cimériens. Une histoire d'amour qui date de très longtemps. Allez. Hé, hey, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être un poison, peut-être, je crois. Pas vu. Ah bah voilà. Hop là. Oh, vous avez vu, il y a une combo qui est apparue. Apparemment quand on fait une combo... Ah, c'est quoi que j'ai reçu?
Un os nasal. Et oui, en plus, je suis Rhino Ralingue, je sais plus comment ça s'appelle. Celui qui s'occupe des nez. Donc oui, il y a une combo qui est apparue. Quand on fait une combo, en fait, quand on fait une attaque et qu'il y a une combo qui apparaît, il faut taper sur la touche 1 ou 2 ou 3 et ils le disent. Ils le mettent quand la combo apparaît. Bon, alors, est-ce que je peux tuer un pique, sans me faire tuer par les autres? Voilà, il vient, viens. Il y a un par là. Ah, bah oui, bah oui. Oh. Comment il fait lui? Eh oh! Voilà, non mais oh! Pas vrai ça! Ils sont grands les pics, je les voyais plus petits moi les pics. Mais bon, je vais pas me plaindre non plus. Hein. Bon, toi le pic là, viens par là. Voilà. Tu viens quand tu veux. Hop là! Ah mince, j'ai raté ma. Par contre, ah oui, apparemment on peut esquiver aussi. En tapant deux fois la touche de déplacement. Par exemple, comme ça. Non, ça marche pas. Non, d'accord. C'est qu'on combat seulement que ça marche. Alors maintenant, ce picte là, alors on va l'attirer dans le coin. Bonjour toi. Je suis pas contre les combats à plusieurs contre moi, mais autant ne pas prendre de risques inutiles. Voilà. J'aime bien dans le jeu, c'est que les XP, le gain des XP est très très pas du tout marqué sur l'écran. Enfin, il est marqué sur l'écran, mais il est très discret. Alors, il y a trois pictes là. Donc, est-ce que je peux tirer celui-là, ici, là, sans tirer l'autre? Allez, viens par là. Ah. Ils sont vraiment bêtes ces pictes. Hein. Je sais pas, ils pourraient appeler à l'aide, mais non, bah, ils sont tués un par un. Ah, qu'est-ce que t'avais sur toi? Un os nasal, comme c'est étrange. Et de l'étain? Je crois que les pictes n'avaient pas besoin d'argent. On dirait que si. Coucou, ah, viens par là. Hé hey, qu'est-ce qu'il me fait lui? Non mais oh ouais, il m'envoie des boules de feu, non mais... Je sais pas que les pics étaient magiciens. Un chaman pic sans doute. Bon alors ici nous avons deux pictes. On va dépicter un petit peu l'endroit. Allez viens, dépicter. Ah, un archer, bah ouais. Ah tu vas mourir toi. Ah, d'ailleurs, à terre. J'adore le bruit que ça fait quand on met à terre, une espèce de comérité de rugissement. Voilà, et un de moins, bonjour. Et hop là. Je te fracasse le crâne. Que crâne t'emporte. Les démons avec. Voilà. Les pics en moins, c'est déjà ça. Oh, mais qui vois-je là-bas? C'est Sadour, mon bourreau. Qui se présente devant Sadour? Ah, je sais qui tu es, c'est toi qui m'as violé sur cette maudite galère. Tu m'as violé des dizaines de fois. Les dieux ont Sadour à la bonne aujourd'hui. Je croyais avoir été le seul à réchapper au naufrage. Mais il semblerait qu'une partie de mon cheptel a survécu. Cheptel? Je vais te mettre des fers au cou. Et tu pourras de nouveau me servir, esclave. Tu as l'air de t'être fait hacher à menu par un ours, raclure. Je n'étais pas un ours. Une créature, une bête féroce, mais c'est sans importance. La porte est fermée à clé, ce démon garde la clé dans les ruines proches. Viens, il faut faire vite. Laisse-toi dévorer, que Sadour puisse prendre la clé et aller en ville. Paré ? Non Sadour, je crois plutôt que je vais prendre plaisir à te tabasser à mort, sale fils de pute. Si tu t'y risques, c'est la mort qui t'attend. Sadour est un homme pragmatique. Tiens, il te fait une promesse. Si tu survis au démon, il t'emmène avec lui à Tortage, et il te vendra là-bas. Qu'en dis-tu, esclave? Mais t'en as pas marre de parler de toi-même à la troisième personne? Et puis, je vais t'arracher les couilles et te les faire manger. Prépare-toi à mourir, Sadour, parce que ça va pas être dur très longtemps. Pas pour moi, ni pour Ulrich, le marchand d'esclaves. Assez parlé, viens, il fait chaud. J'ai la gorge sèche et ma patience à ses limites. Plus vite je t'aurai vendu, plus vite je pourrai m'acheter de la bière. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Prépare-toi à mourir, Sadour. Quelle parole courageuse de la part de quelqu'un qui a porté les fers des esclaves. La honte l'a finalement emporté sur la lâcheté, on dirait. Mais dis-moi, ne vaut-il pas mieux vivre esclave que mourir? Affronte-moi. Et je laisserai ton cadavre pourrir sous le soleil des barakas.
Prosterne-toi et j'oublierai cet affront. Je ne suis l'esclave de personne, chien putride, et je vais fendre ce qui te tient lieu de crâne, c'est-à-dire cet os vide. Même si tu portes la marque et que je peux te vendre à bon prix, Ulrich n'aime pas les esclaves récalcitrants. Et tu refuses de te sacrifier en t'offrant aux démons ? Le grand serpent jugera mon âme misérable dans l'autre monde. C'est ça, ouais, allez. Petit chien de mou. Voilà ce qui t'attend. L'enfer. Wow. Calme-toi avec tes sortilèges. Ah, j'avais une combo là. Voilà. Tu es à terre là où tu mérites d'être. C'est ta place. Ah, meurs, chien. Mais ne mourras pas. Allez. Voilà. Ne mourras-tu donc jamais? Voilà, tu es à terre maintenant. Et ne bouge plus. Je vais t'enfoncer cette masse quelque part. Ah, cimetière de Sadur. C'est fou, moi, c'est un marteau de guerre. Ah bon, tant pis. Archer. Pique de la chauve-souris. Ouais. Bon, et ben. Mes petits cimériennes sexy, mes petits aquiloniens sages et résolus, je vais vous laisser ici car nous sommes à l'orée de la ville et bientôt nous pourrons entrer à Tortage et reprendre notre liberté. Haha, à bientôt pour le prochain épisode. Grom!